Bonjour tout le monde. Alors aujourd'hui, on va feuilleter ensemble le catalogue annuel de chez Costco. J'ai vu qu'il y avait pas mal de questions sur le type de produits que l'on peut trouver chez Costco. Donc j'en ai profité la semaine dernière quand j'y étais et puis j'ai pris un catalogue annuel. Et oui, c'est un catalogue annuel. Alors pour ceux qui connaissent pas, Costco propose uniquement de la vente en gros. D'accord? Vous achetez que des lots. Et c'est essentiellement pour l'alimentation. Et tout ça, c'est en général à des prix très attractifs. Le seul point négatif chez Costco, c'est que voilà, pour pouvoir accéder et bénéficier des offres que Costco propose, il faut bien évidemment être membre Costco. Et donc, il faut acheter la carte adhérent qui est à 36 € pour l'année. Et donc elle est valable pour deux personnes, vous et votre conjoint, et possibilité aussi de venir avec deux invités. Donc voilà. Ce qui est pas mal aussi chez Costco, c'est qu'on a beaucoup de services. On a un centre optique, on a un resto club, on a un centre de montage du pneu. Donc vous achetez votre pneu et on vous le pose. On a un centre d'aide auditive. Donc c'est vraiment tout est fait pour que vous restiez là-bas, quoi. Alors, donc chez Costco, on trouve de tout. On trouve vraiment toutes les marques internationales, hein, à la fois françaises, américaines, canadiennes, portugaises. On trouve vraiment, vraiment beaucoup, beaucoup de marques internationales. Donc ça, c'est super. Alors, pour info, il se trouve à Villebon, donc dans le 91. Donc là, vous voyez, on a le centre auditif. Voilà. Là, on a l'atelier voiture. Il y a aussi une station essence qui vient d'ouvrir il n'y a pas très longtemps, je crois. Là, on a le resto club. Ce que je peux vous conseiller, c'est vraiment la pizza. Bon, effectivement, c'est la pizza XXL, mais elle est vraiment bonne et c'est vraiment à tester, quoi. Donc, la pizza, la part, elle est à 2 € et la part pour, il me semble, non, et la pizza pour 10 personnes, elle est à 10 €. Donc, voilà. Il y a aussi le fish and chips qui est pas mal, à 5 €. Donc, ça reste du fast food, hein, mais c'est très bon. Alors, au rayon électronique, qu'est-ce qu'on peut trouver? Donc, chez Costco, on trouve de tout, comme je vous disais. Pardon. Donc on a des télés, on a des frigos, on a des machines à laver, on a des lave-vaisselle, on a toutes les marques. Donc là vous voyez, il y a du Samsung, il y a LG, il y a vraiment vraiment toutes les marques. Il y a aussi pas mal de promotions en général à la fin de l'année. Donc là c'est l'atelier pour les voitures, accessoires auto et quincaillerie. Donc là, pareil, on trouve des pneus Michelin, donc marque française, Bridgestone. Donc vous voyez, on a le choix, quoi. Ensuite, ils vendent aussi des bijoux, d'accord? Vêtements, bijoux, donc avec des marques différentes. Par exemple, celle-ci, moi, je ne connais pas du tout. C'est la marque Hakimi, il me semble. Voilà, qui vend des bijoux. Là, on a la marque Milros. Là, on a aussi des valises Samsonite. Donc, j'ai mis une croix parce que quand j'y étais la semaine dernière, il y avait une promo sur les deux valises, il me semble, Samsonite. Vous aviez, je pense que c'est, je, il me semble que c'était à 129 ou 139 €. Faut que je regarde. Donc, vous voyez, il y a pas mal de produits différents, de différentes marques, et les prix sont très intéressants. Là, ici, on a des baskets. Donc, oui, ils vendent aussi des baskets. J'ai vu un modèle qui était pas mal la semaine dernière. C'était des Puma pour femmes à 32 €. Donc, vraiment accessible. On a également des Nike pour hommes, pour enfants. Il y a toutes les marques. Là, par exemple, on a des culottes Slogi. On a des chaussettes. Là, au rayon hygiène, beauté, santé, pareil. On a des compléments alimentaires. Ceux-là, ils sont très à la mode. On a également, donc voilà, marque canadienne, Omega. On a du magnésium, de la vitamine D, des gummies qu'on voit beaucoup sur les réseaux sociaux.
Là, on a de la spiruline que j'ai testée de la marque Nat & Form et qui est vraiment de très bonne qualité. Je crois pour 400, un peu plus de 400 grammes, j'ai dû payer 7 € il me semble. Donc vraiment pas cher par rapport à ce qu'on peut trouver sur Aromazone par exemple. Là, on a toute une gamme de produits Palmer's. On a le lait hydratant, la crème main, les huiles, l'huile sublimante. Pour info, la semaine dernière, il y avait une. Ils vendaient un lot de 4, il me semble, de 4 produits. On avait le lait, l'huile et la crème pour les mains et plus un autre produit à moins de 12 € quoi. Ils vendent également des lots de dentifrice Signal, Sensodyne, on a du Dove. Pour les gels douches, on a le Petit Marseillais. Les 3 ou 4 grandes bouteilles, elles étaient à moins de 8 € il me semble, si je ne me trompe pas. Là, on a par exemple Whey, donc ça c'est pour les sportifs, qui est vraiment pas cher là-bas. Donc, moi, mon mari, il l'avait acheté le gros bidon il y a 2-3 ans, il me semble, à plus de 80 € et là, on l'a vu, c'était à moins de 60 €. Là, on a d'autres produits cosmétiques. Je ne connais pas la marque. Donc, c'est à base d'aloe vera. Infinite Aloe. Là, vous voyez, on a un produit égyptien. Bon, je dis égyptien parce que je vois Egyptian Magic, mais je pense que ça vient de là-bas. Hein. À moins que ce soit le nom du produit, je ne sais pas. Mais voilà, vous avez pas mal de produits. Donc là, on a la marque Intima. Donc les gels intimes, vous voyez, c'est vendu en plusieurs. Il y a plusieurs lots. Donc on a les lingettes, on a les gels intimes. On a également les couches bébés. Donc vous trouverez surtout des Pampers, des Huggies, sinon d'autres de la marque Kirkland. Kirkland, c'est la marque de Costco. Voilà. Et dans ma dernière vidéo, vous pouvez voir que j'avais filmé des lots de couches Pampers. On avait des gros paquets à 108 couches pour moins de 11 €. Donc franchement, ça valait le coup. Alors ici, pour les articles pour la maison, donc ce qu'on peut trouver, c'est donc là vous avez un extracteur de jus Philips. Là vous avez par exemple une machine sous vide. Vous avez des bocaux de conservation. Vous avez des boîtes de conservation, des planches à découper. Vous trouvez de tout. Là, donc vous, par exemple, vous avez du charbon de bois, vous avez des jardinières. Celle-ci, elle est vraiment très jolie. Elle est à 69 ou 79 €. Je l'avais vue la semaine dernière, elle est vraiment très jolie. Elle est très grande, par contre. Vous avez aussi des salons de jardin qui sont magnifiques. J'en avais filmé, il me semble, dans ma dernière vidéo Costco. Et ils sont très très beaux. Là, donc vous avez des poubelles avec détecteur de mouvement, vous avez des aspirateurs Dyson. Là, vous avez des plaids. Donc leurs plaids sont vraiment jolis et de très bonne qualité. J'en avais acheté il y a 2 ans et franchement, ils n'ont pas bougé, même après le lavage, ils n'ont pas bougé. Donc là, vous avez des mitigeurs de cuisine, qu'on trouve aussi de l'alimentation. Oui. Alors, on a du houmous. On a des crackers, malheureusement, et oui, il n'y a pas les prix qui sont affichés. Donc il faut aller voir directement sur place. Mais c'est vraiment pour vous donner une idée de ce qu'on peut trouver chez Costco. Hein. Donc il y a du guacamole, des flûtes au sésame, et tout ça vendu par lot. Voilà, vous avez aussi des gros cornichons. J'ai pris le gros pot là, je ne sais combien de litres, qui fait 1,99 €. Là, vous avez de l'huile d'olive qui est pour moi la moins chère et aussi de très très bonne qualité. Hein. Celle-ci, elle vient d'Espagne et je pense que c'est 3 litres pour 10 € ou un peu moins. Donc là, vous voyez, vous avez des pistaches.
Là, au niveau chocolat, donc on trouve des marques. Donc là, c'est belge. Là, on a des barres de céréales Nature Valley qui sont assez chères en magasin, je trouve. Mais là, quand vous voulez les acheter en lot, c'est vraiment c'est pas cher. Ensuite, on a au niveau gâteau, on a bah, bien sûr les Milka. Voilà, vous voyez, ils les vendent comme ça, en des cartons. Là, on a les caprices. Les caprices, ils sont vraiment bons. À chaque fois que, dès que j'y vais, en fait, dès que je vais à Costco, bah, je m'en prends un ou deux paquets. Là, on a des bonbons, donc des Mentos, des Chupa Chups. Là, à côté, oui, là, on a du miel. Du miel, du sirop d'agave. Là, on a la marque Lysis, Granola. Je prends aussi des viennoiseries. Viennoiseries françaises, bien sûr. Et elles sont bonnes. Franchement, les pains au chocolat, c'est une tuerie. C'est une tuerie, il n'y a pas photo. Là, il y a aussi à tester l'apple pie. Donc. Façon américaine, XXL, c'est vraiment une grande tarte et elle est très bonne. Vous prenez 3-4 kilos après, mais c'est pas grave, faut tester. Là, on a de la confiture, marque française, confiture de fraises bio. Voilà, vous voyez, on trouve de tout. Ça peut être pas mal aussi quand on a des enfants, c'est les gourdes. Là, il y en a 112, donc un gros gros carton. Il faut voir le prix. Mais ça doit être vraiment moins cher par rapport à ce que vous pouvez acheter en magasin. Donc voilà, là on a des Smarties, on a des gâteaux Savane, on a les Charlie Alice, ça c'est les compotes. Donc là vous en achetez 48. Voilà. En général, quand on va chez Costco, on fait du stock hein, parce qu'on est obligé d'acheter par lot et donc voilà, mais ça peut être pas mal quand on est une famille nombreuse ou même voilà pour faire nos courses. Alors là, on a de la farine Cruau d'or, celle-ci elle est pas mal. On a aussi pas mal de fromage. On a du Brie, du Cantal, du Comté 21, la feta grecque. Au rayon surgelé, vous trouverez donc des macarons. Les coquilles Saint-Jacques de Tipiak. Il y a aussi de la charcuterie. Là, rayon poissonnerie, pareil, vous trouverez de tout. De tout. Ce qui se vend bien aussi chez eux, c'est les petites bouteilles, là, malheureusement. C'est, je sais plus, peut-être un peu plus de 40 petites bouteilles pour moins de 3 euros. Donc, tout le monde en achète. Ce qui est pas mal aussi, c'est le papier toilette, hein. Le papier de toilette, c'est le moins cher hein, chez eux.